Une seconde chrono avec Philippe Monneray. Avec l'électronique, c'est vraiment compliqué d'entretenir sa machine. Mais il y a les organes qu'il faut quand même impérativement surveiller, notamment le système de freinage, les plaquettes, l'état des disques. Au niveau de la fourche, les joints spire pour avoir une bonne tenue de route. Au niveau des câbles, le bon retour de la poignée d'accélérateur, ça c'est impératif. Les niveaux, alors dans les niveaux, on a bien sûr le niveau du liquide de frein, avant et arrière. Et puis, très important également, le niveau d'huile moteur. Au niveau des pneumatiques, on va contrôler l'état des flancs. Pas de déchirure sur les flancs. L'usure du pneumatique grâce au témoin d'usure dans la rayure. Et très important, la pression. Alors si, comme ici, on a une machine à transmission par chaîne, on va devoir contrôler régulièrement le graissage de cette chaîne, mais aussi la tension. Et la tension doit se faire avec le poids du pilote sur la machine, avec une flèche d'environ 2 cm. Entretenir sa moto, c'est aussi la nettoyer. Et pour ça, il faut laisser faire les spécialistes. Tissot vous a présenté une seconde chrono.